Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens ouvrir un nouveau vlog. Il y a très longtemps que je suis plus venue en vlog. Vous savez, j'étais en repris des cours. Mais aujourd'hui, c'est enfin cette semaine, c'est la dernière semaine de cours. Les plus gros examens sont passés. Aujourd'hui, j'ai eu l'examen de français. Voilà, il est presque fini, j'ai plus qu'un truc à faire demain. Ça, croisant les doigts pour moi. Maths, c'était fait. Là, j'ai la moyenne, un peu déçue de mon résultat. Mais voilà, j'ai oublié mes reports à chaque fois quand je fais un calcul. Voilà. Mais enfin, soit. Mais aujourd'hui, on est là pour vous parler de le petit craquage que j'ai fait. Voilà. Du coup, on va parler de tout ça. J'ai ouvert parce que j'étais plus facile. Et de la lecture en cours et que je vais lire parce que celle qui est je vais la mettre de côté déjà. Je vais déjà commencer par celle en cours, enfin c'est un manga. Du coup c'est celle-ci, c'est je sais pas vous prononcer, c'est le tome 1. Voilà, je suis j'ai pas de j'ai passé la moitié ce matin. Je suis à la moitié, voilà. Je voudrais bien terminer ça ce soir. Le seul truc que je peux vous dire, c'est la petite phrase d'accroche. Il a fallu que le seul coup d'un soir de ma vie soit mon nouveau patron. Du coup, on suit cette jeune fille qui a rompu avec son ex-copain et est partie à Paris, si je dis pas de bêtises. Et elle a rencontré enfin, il l'a sauvée d'un pickpocket. Voilà, je vais pas vous en dire plus, on le sait au début. Et du coup, il va se passer un truc entre eux. Je vous laisserai le découvrir. Voilà. Je vais le terminer ce soir ou maintenant. Après, enfin, j'avais fait la commande pour le livre que vous verrez à la fin. Parce que, ouais, je ne l'ai pas encore mis, mais il y a aussi les quelques lectures que j'ai fait de mes 4 mois. Je me suis pris celui-là parce que je me suis dit aussi que c'était important. Parce que j'ai fait un stage dans une école. Et un enfant qui faisait des crises de colère. Et je savais pas. Enfin, je sais pas. Comme je ne connaissais pas l'enfant, je savais pas comment aborder la crise. Du coup, voilà. C'est sa prof qui l'a contrôlé. Du coup, je me suis pris. Aidez votre enfant à gérer ses colères. Existe les outils pour appliquer et éviter les crises. Chez Marabout, le cahier des mentions. Voilà. Je vois qu'il y a plusieurs trucs d'apprentissage. Apprendre à confiance en lui, à bien dormir, canaliser l'énergie, à se concentrer, maîtriser les peurs, devoir autonome, devenir autonome, pas devoir autonome, et développer impatience. Voilà. Du coup, ça se présente comme ça, sur des petites... le sac de colère, le seuil de colère. C'est à feuilleter et lire. Ouais, vous avez parfois que des pages. Je sais pas plus, je viens de la voir. Du coup, je vais essayer de voir ça. Les 7 conseils pour présenter. Voilà. Je vais essayer tout ça. Voilà. Je suis très contente de l'avoir pris. Après, je me suis celui-là et je le vois passer partout pour le moment. Et je me suis dit, allez, faut que je me le prends. Il est gros quand même, celui-là. Je pensais pas aussi gros. Du coup, je me suis pris Hook. Je crois que ça se dit comme ça. Hook. Dupuis. De Mar. Douc. Les petites sorcières. Quand Dany et Dorana, jumeaux, décident d'aller à la magie, c'est ça? D'enseigner la magie. C'est un truc de magie, je sais que les enfants vont oublier. Je sais même pas si c'est en premier tome ou en 2 tomes. Ça n'a pas l'air, je crois que c'est en un tome. Je sais que ça parle de magie, que. Des dragons. Je vois un petit dragon là. Genre de pieuvre. En fait, si je dis pas de conneries, ils ont raté le bus et du coup ils vont aller en balai. Et un truc qui va se produire, voilà. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Il y a du plus sombre aussi. J'ai vu. Pas tout vous spoiler. Allez, hop, voilà. Du coup, ben, on va tester ça. Je sais pas combien de pages il fait, mais... Ah oui, 200... 223. Pourquoi pas.
Après, j'ai le truc que je suis. Oh, ça y remet un petit peu. Plus déçu parce qu'il a été abîmé dans le colis. Vous allez le voir. Ça va aller. De Alice Colline. Voilà, ça va aller. Comme ça, vous voyez pas, mais regardez. Je sais pas si vous allez voir. Il a été démonté, les parts. Regardez. On voit un petit peu le rebord. Hein. Regardez ça. Je vais le mettre en dessous des autres livres. Ça va être. Du coup, ici, je m'appelle Alice et quand cette histoire commence, j'ai 17 ans, je commence le lycée, j'ai rencontré des personnes super chouettes. Et globalement, tout va bien. Enfin, il y a comme quelque chose qui me pèse. Peu mes derniers temps. Je vois ce qu'il sait, mais c'est sans doute bien, pas bien grave. Et puis, un jour, quelqu'un mange de nouveaux animaux. Hein? Et puis un jour, quelqu'un mange le mauvais animal. Animaux? Animal. Tout le monde se confie à soi. Et à partir de là, ça devient de plus en plus difficile de se dire que ça va aller. C'est de Hachette roman graphique. Voilà. Et c'est un peu comme ça. Voilà, j'espère que ça va me plaire parce que c'est un autre différent modèle de graphique. C'est vraiment dessin ici. Voilà. Un peu déçu de l'état de comment je l'ai retrouvé. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, il est un peu vraiment cabossé, mais on va essayer de le retresser. Voilà. Après, j'ai craqué pour celui-là. Un peu cher, mais voilà. Tatoue-moi de Angeline Buchy chez Buffiti, je sais pas si ça c'est roman. Et du coup, Anne, jeune maman, 30 ans, vit chaque jour l'enfer auprès de son mari, entre les quatre murs de sa maison. Je l'avais lu, mais je me rappelle plus, jusqu'au jour où elle découvre l'infidélité de son dernier et décide enfin de instituer son ouais partir de survivre au prendre le dessus sur elle mais surtout pour son fils et mon chat vient se coller à moi. Liam, beau et ténébreux, rhume sa vie entre son boulot et ses conquêtes, mène une existence bien rangée, très peu pour lui, jusqu'au jour où la belle inconnue, loin de son style habituel, pousse la porte de son salon de tatouage. Existe alors entre eux une attirance forte, à laquelle il leur impossible de résister, mais entre l'ex-compagnon d'Anna et le passé d'Iam, le changer vogue autour d'eux. Vaudé, autre. Et il n'y a rien de spécial au chapitre. Bon, y a rien de chapitre. Par contre, ça va être pas facile à lire, je pense. Je sais pas. Je vais encore abîmer le dos. Mais il est trop beau. J'aime beaucoup la couverture. Il est tout doux, il est tout ch'toche. Voilà. Il me donne très envie de bouquiner. Bon, vous ne l'avez pas encore lu. Mais l'update lecture, j'ai lu un manga. Je sais pas quel est. Tome 2 et tome 3. Je vais quand même vous montrer. J'ai lu le tome 1 qui était dédicacé. Voilà. Et je me suis repris le tome 2 parce que j'ai adoré le tome 1. Du coup, je me suis pris le tome 2 de Aliati. Je sais pas ça c'est comment. L'œil de Yam. C'est chez Miss Jungle. Le tome 3. Le tome 3. Et c'est le mystère du roi démon. J'ai adoré le tome 1. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Je vais me griffer avec le coin. Et ça a l'air de bien aller. Ils sont pas abîmés. Du coup, je suis très contente. Du coup, voilà. Et après, j'ai fait un achat peu confusif. J'avais trop envie de me le prendre. Je sais même plus pourquoi, mais. Ah oui, pour ça, je crois. Je vais vous le montrer. C'est les grands classiques tome 10, coloriage, mystère, découvrir les chiffres
et découvrez les images. Du coup, vous lavez, comme vous ne savez pas, comme ça, et ça devient comme ça après. Voilà, et j'avais craqué parce que j'avais vu plusieurs images qui me plaisaient bien à la fin. Voilà. Ah oui, il y avait Tigrou, c'est vrai, il y a Tigrou dans là, il y a Tigrou que j'aimerais bien faire. Voilà. Du coup, voilà. Bon, je vais pas vous montrer, vous pas vous spoiler quand même. Mais vous avez du Clochette, du Moana, du je sais plus les noms. Je sais plus. C'est la maison de qui ça? Méchante Reine, Coco, Damasien, Raya des derniers dragons, le nouveau héros, Mulan, Soul, Soul, il y en a deux. Clochette. Moi, c'était aussi pour celui-là. Et regardez qu'il est beau. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir. Il faudrait que je m'y mette. M'y mette à fond. Il y a du Stitch. Il y a du là-haut ici. Là-haut, il est beau. J'ai envie de le faire. J'ai trop envie de le faire. Voilà. Du Reine des Neiges. Réponse. Ours. Les ours. Ouais, il est trop beau. Voilà. Et la dernière chose que je dois vous montrer, c'est le tome 2, Le Soleil de minuit. Moi, c'est le tome 2 chez Hugo dans la collection New Romance de Lily Blabla. J'ai lu le tome 1 que je vous ai pas encore mis, mais je vais aller le faire. Je vais peut-être aller la monter après. Parce que là, il est 5h. Ouais, va être 5h. Je viens de rentrer de l'école. Enfin, je suis liquidée de. Enfin. J'ai presque fini mes examens, donc ça me vide la tête, ça me fait du bien. J'irai bien vous montrer le date lecture pour vous le mettre mercredi ou vendredi. Voilà. Et du coup, je commence un vlog. On verra jusqu'à quand je le fais. Parce que après, il y a la. Parce que vendredi. Enfin, samedi. Peut-être que ce sera jusque vendredi. Je vous le mettrai pour samedi. Peut-être une bonne idée. On verra ce qu'il y a dans le contenu du vlog. Si j'ai la montée vendredi aussi, on verra. J'avais lu le tome 1 que j'ai adoré. C'était un. C'est pas loin un coup de cœur. Et il est plus gros celui-ci. Et du coup, je me suis dit, ben, je viens de le terminer. J'ai fini samedi, je crois. Dimanche, je me suis fait des BD et manga comme ça. Pour vider un peu la palle. Et j'attendais le tome 2 pour moi. Me plonger dedans, que je vais faire un. Non, faut d'abord que je finisse celui-là. Je vais terminer celui-là et après je me plonge dans celui-là. On va essayer de bouquiner parce que samedi, dimanche, je suis pas là. J'ai la convention qui est. Je ne sais plus le nom, mais on est photographe. Du coup, voilà. Je mettrai le lien si ça vous intéresse. Vous allez voir les photos. C'est Réflexe de vie. Sur Facebook, on fait les photos des cosplays. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Je vais ranger tout ça avant que monsieur rentre et qu'il me fasse une crise. Voilà. Et les marquer aussi, les noter. Voilà. Et si vous voulez un petit coup d'œil d'un petit chat près de moi. Ça va, Zozo? C'est mon coussin pour moi lire le matin. Je le mets un peu hauteur, comme ça je me mets et je lis. Mais là, elle est venue près de moi. Elle est en manque de sa maman. Et à partir de vendredi, c'est mon dernier jour. Du coup, ça va aller beaucoup mieux. On va pouvoir reprendre les vlogs. Voilà. Et tout ce qui s'ensuit. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à demain ou à tantôt. Si je finis mon livre, peut-être que je vous reprendrai. Voilà. Tout ça, moi, je vous dis à plus tard. Et je vous fais des bisous. Et on se retrouve plus tard ou à demain. Bonjour mes tutus, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est le 5 juillet 2023. Et je reviens parce que j'ai commencé Le Soleil de minuit, le tome 2. Voilà, je suis à 40 pages. J'ai lu 40 pages hier. J'étais contente de moi en allant quand même à l'école. Voilà. J'aime toujours autant.
Je peux pas trop vous spoiler, mais ici, on reçoit nos deux personnages qui vont se retrouver après 2 ans. Et voilà, je ne sais pas plus, parce que j'ai lu que 40 pages, mais j'aime beaucoup. J'espère que ça va bien évoluer. Ça se lit tout seul, ça se lit comme un doudou. J'avais plus envie de lire. Enfin, j'ai lu tout le week-end des mangas, des BD. Et j'avais un petit peu marre de la lecture. Et j'avais lu le tome 1. Enfin, c'est au moment où j'ai lu le tome 1, j'avais pas l'envie. Enfin, j'avais l'envie sans voir l'envie de lire. Je sais pas comment vous dire, mais voilà. Et ils ont lancé une lecture commune sur enfin, le tome 1. Je me dis, oh, on va tester. Si je le suis pas, tant pis, mais au moins que j'avance dans mes livres, quoi. Voilà, et j'ai lu le tome 1, il m'a fallu plus longtemps que la lecture commune, mais voilà, il est lu. Et ça m'a aidé parce que ça m'a vraiment donné envie de relire. Du coup, voilà, je vous conseille si vous avez un coup de mou dans la lecture. Là, le tome 2 est en tout cas, le début, les 40 pages, me donne envie de le lire. Du coup, voilà. J'ai pas grand-chose à vous dire aujourd'hui parce que... Ah oui, j'ai peut-être pas parlé du livre manga que je lis, que j'ai lu. Je vais vous le chercher et je reviens. Je sais pas si je vous en ai parlé, si je l'avais terminé ou pas. J'ai terminé celui-ci. Je vous lis pas le titre parce que je vais le striker. J'ai bien aimé. J'ai le tome 2. Je pense que je vais lire ceci et puis je lirai le tome 2 pour essayer d'avancer dans mes manga BD parce que j'en ai tellement qu'il faut que je le lise. Voilà. Ici on va suivre notre jeune je sais jamais son nom enfin notre personnage féminin qui a une rupture amoureuse, qui est partie en vacances. Je crois que c'est à Paris, je sais plus si c'est à Paris. Ouais, je crois que c'est à Paris. Enfin soit. Et elle va avoir un homme qui va faire un... On va essayer de lui piquer son portefeuille. Notre personnage va la secourir. Voilà. Et du coup, elle retourne au boulot. Et le premier jour de son nouveau patron, elle arrive en retard. Et son nouveau patron, c'est lui. Voilà. Du coup, il y a un petit souci avec elle parce qu'elle n'est pas habillée comme elle devrait être. Parce qu'elle travaille dans un bureau. Elle est mal habillée. Je peux peut-être vous montrer. Là, voilà la façon qu'elle est habillée, un jean et un t-shirt. Au moment, c'est pas comme ça. Voilà. Sauf que comme elle a déménagé, tout est dans les cartons encore. Et du coup, il y a le pat... Enfin, lui va la prendre un peu en griffe. Et elle se dit, mais il me reconnaît pas. On a une relation d'une nuit et il va faire tout semblant quoi. Et à un moment elle va savoir qu'il l'a reconnue, mais ça je vous laisserai le découvrir parce qu'il n'est pas très long. Mais j'aime beaucoup, c'était une bonne histoire, ça passe tout seul. Bah maintenant de l'avoir lu, j'ai un doute de ce qui va se passer, bien sûr. Voilà, parce que la fin, avec la fin, quoi, je parle. Voilà, il y a un truc qui se passe à la fin. Je pense que enfin, je crois savoir comment ça va se dérouler. Ne tourne pas sûr à 100%, mais je vais lire quand même le tome 2. C'était un chouette, c'est chouette. Et je suis contente de l'avoir lu. Voilà. Et on va essayer de découvrir ça très vite. Voilà, je vous en parlerai quand j'aurai lu le tome 2. Oh là là, je suis fatiguée. Oui, parce qu'il est que 7h33 et je m'en vais à 8h15. Je suis levée depuis 6h. Je suis déjà KO. J'ai déjà payé mes factures. Voilà. J'ai déjà peigné mon chien. Voilà. Je me suis battue avec un chat parce qu'il la tape toujours sur l'autre. Voilà. Du coup, là, je crois que je vais vous laisser. J'ai rien d'autre à dire. Je vais bouquiner ça. J'ai envie de lire. Enfin, j'ai envie et j'ai pas envie. J'ai envie d'aller dormir. C'est dur. Bon, je me dis que faut que je tienne le coup. Vu que vendredi,
Vendredi, c'est mon dernier jour. Allez, youpi. On va. Voilà, après, j'ai du boulot à faire à la maison. Parce que là, il y a 4 mois de boulot pas fait à fond. Du coup, voilà. On fait toujours tout en vitesse. Parce que j'ai fait 3 semaines de stage. Avec mon stage, je finissais à 5h30. Tant que je rentre, ben, souvent, ben, je me lavais, on mangeait. Et j'étais presque dans les vapes. Souvent, il était 9h30 quand on parlait plus de moi. Du coup, voilà. Il faut que. Ça, ce sera sinon début lundi. Il faut que je termine le diamond painting. Je peux pas vous le montrer parce que c'est un enfant dessus. Et j'ai pas envie que mon strike ou la personne qui me l'a commandé m'engueule. Il me reste juste le figure de l'enfant. Voilà. Je ferai peut-être ça après-midi. Enfin, quand je. Après-midi. Aujourd'hui, ça va être une journée très rude. Je vais à l'école. Je vais chez ma tantine qui a 3 semaines que je n'ai plus été. Du coup, ça va être le bordel. Et après, je reviens et il faudra faire à manger. Faire la vaisselle d'hier parce qu'elle n'est pas faite. La vaisselle aussi, j'avais dit que je le ferai maintenant. Mais pas le courage. Voilà. Hier, bah, j'ai quand même fait. J'ai mis ma machine à sécher. J'ai fait la vaisselle. J'ai balayé. J'étais contente quand je suis rentrée. Cette semaine, je rentre plus tôt parce que en stage, je finis à 4h. Enfin, à mon formation, je finis à 4h. Mais normalement, je ne rentrerai pas avant 4h30. Entre 4h30 et 45. Sauf qu'ici, il me reste qu'une semaine et j'ai pas renouvelé mon abonnement pour pas payer qu'une semaine d'abonnement. Du coup, c'est ma mamie qui me conduit, c'est pour ça que je pars déjà plus tard. En ce moment, je serai presque partie. Ouais. Ouais. Parce que je prendrai le. Enfin, je pars à 40 souvent. Enfin, logiquement, je pars en 40 et je prends le métro de 49 pour être à l'école à 10h15, 8h15. Voilà. Comme ça, je suis à l'heure. Et si ma mamie vient me chercher à quart et je suis là à 20, quoi. Voilà. Et j'ai pas allé à l'école. C'est juste descendre toute la chaussée, mais c'est quand même assez long à pied. Du coup, voilà. Et ouais, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai ordinateur informatique qui va me casser les pieds parce que. Je m'ennuie toujours en informatique. Je connais beaucoup de bases. Du coup, je suis toujours un peu à l'avance des autres. Ouais. Mais voilà. Jette les autres. Voilà. Sur ce, je n'ai plus rien à dire. Je vais arrêter de m'en blablater. Heureusement, cette vlog va encore être long. Et voilà. Et hier, j'ai fait un tour à Rive Gauche avec une de mes copines. Une de formation, voilà, ça m'a changé les idées et voilà. Et j'ai fait deux magasins, j'étais chez Action et j'étais chez Emma et Emma, c'est ça que je dis. Et je me suis pris deux vernis que je voudrais bien mettre, un blanc et un rouge. Voilà, il faut que je garde les autres pour les jeter. J'ai acheté un gratuit, du coup je me suis dit je vais prendre le blanc et le rouge parce que j'aime bien le blanc et le rouge. Du coup voilà, je vais peut-être faire un doigt blanc, enfin deux doigts blancs et d'autres rouges, peut-être que je vais faire ça. Voilà, bon, sur ça je vais vous laisser, je vais bailler, je vais continuer à, enfin je vais lire un petit peu avant de partir et voilà. Et après c'est informatique. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une bonne journée au moment où vous regarderez cette vidéo. Moi, je sais qu'il est très tôt et que ma journée va seulement commencer. Allez, je vous fais des gros bisous. Bonjour, mesdames, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens dans ce vlog. On est le 6 du 7 juillet. Et je vous ai pas pris au matin, comme je fais d'habitude. Mais j'ai plein de trucs à vous montrer. J'ai fait un cravage. Mais, on va pas dire à monsieur qui est dans la douche.
Du coup, je retire déjà ça. Puis aujourd'hui, c'était la fête à l'école. Du coup, on a été. J'ai plein de petites choses. On s'est bu un truc comme ça, entre filles. Voilà. Et ma farte. Du coup, je me suis pris le nouveau livre de chez. Oh, c'est Slalom. Les disparus du pays imaginaire. Il est trop beau. Je vais essayer de retirer le plastique. Il est trop beau. En plus, je suis arrivée, c'était le dernier. Je sais pas si vous allez bien. La lumière est pas très ouf. La couverture est trop belle. Voilà. Oh, il est trop beau. Lorsque les enfants disparaissent, la petite ville d'Arziara les regarde et se porte sur Wendy. Regardez. C'est trop beau. Et même là, le il est trop beau. Oh, le fleuve, la couverture. Regardez ça. Oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau. J'adore. Oh, les chapitres sont canons. Il est trop beau. Oups. On va essayer de le lire pendant les vacances. Faut que j'essaie de faire ma palle d'été. Et la petite boule de l'auteur. C'est un auteur. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir. Après, j'ai pris Magie Charlie. J'ai le tome 1 et le tome 2 en poche. Je me suis dit pourquoi pas. Parce que tout le monde en parle et ça me donne bien envie. J'ai pris celui-là parce qu'il me tentait bien. Cosme Sri Boy Bing Bong. Et par contre, le nom est un Rapriga a invoqué un garçon fantôme. Donc il n'est plus possible de se débarrasser. J'aime déjà bien fantôme. Ça me donne trop envie de le lire. C'est un peu dans la commune de Roya, les garçons deviennent des troujous, capables d'invoquer les esprits perdus, et les filles de Bruja, vouées de pouvoir de guérison, voilà, soit-il, et un véritable brugeois, mais il va devoir se provoquer à la famille Max, professeur qui a du mal à accepter les gens. Avec l'aide de la meilleure amie, il décide d'invoquer l'esprit de son cousin qui vient de mourir d'une façon brutale. Mais c'est un fantôme de Roya parvient à rappeler Julien, le garçon qui n'a aucune intention de passer de l'autre côté. Sans faire de vagues, il veut savoir ce qui est arrivé avant que Raya va d'abord l'aider à mauvaise graine et découvrir la mesure qu'ils enquêtent ensemble. Et il n'y a plus beaucoup d'envie de le laisser partir. Une enquête paranormale, romantique et aussi poignante que envoûtante. Il est trop beau. Par contre, je crois que dans celui-ci, il n'y a rien. C'est juste écrit... un peu petit, voilà. Après, j'ai pris celui-là, je l'ai vu passer par nulle part. Love Queen Amour, par contre, je sais pas c'est quelle édition. Il est trop. J'ai décidé que Adèle en a marre d'un homme qui s'intéresse et elle unique parce que les femmes grosses et expérience mais que refuse de son aide. Mais au jour où le matin tombe nez à nez avec Ben. Le voisin de la nouvelle attention et surtout une belle nouvelle regard devrait lui faire plaisir. Gentil et attentionné, terrible, sexy, Ben a tout d'un homme idéal. Mais s'il reste particulièrement secret sur la vie privée. Voilà. Trop beau. J'ai un dossier, monsieur, n'a pas bientôt fini. Puis j'ai celui-ci, le tome 2 de Charlie. Je les ai pris tous les deux comme ça, je suis tranquille. Je vais pouvoir les lire
Tranquillement, je lis pas la quatrième de couverture celui-là. J'ai comme un bouteille de coca. Après c'est tout. Après c'est tout. Que deux. Je me suis pris celui-là. La revanche d'une blonde. Bien couche. Il est trop beau aussi. Après avoir été largué par son petit ami qui lui reprochait de ne pas être assez sérieux, Blaine est bien décidé à prouver le contraire. J'arrive pas. Mais celui-là, il n'y a pas de... Il est trop beau. Oh, il est beau. Beauté blé. Bon, il n'y a rien de trop transcendant au chapitre. Il est trop beau aussi, quand même. Je voulais la quatrième de couverture, quand même. Bren est au lycée et son âme sœur artiste de la peinture murale. Il vit entouré d'une famille formidable, des amis formidables. À l'occasion de son premier anniversaire avec son petit ami Joe, il est persuadé que celui-ci va inviter pour les vacances du printemps, mais il a annoncé la rupture. Joe et lui propose d'être trop immature, maladroit et se passer assez sérieux. Nous sommes peut-être adolescents ordinaires, une véritable choc pour Ben. Autour de Joe s'affiche rapidement avec un nouveau copain. Zai, je crois que ça se dit comme ça. Blaine décide alors de devenir tout ce qu'il est, son ex lui reprochait de ne plus être, de lui proposer qu'il être sérieux et entendre et reprendre avec brio et président des conseils des élèves face à son rival Zay dans l'espoir de rencontrer Yei. Traduit, ouais, c'est des traduits. Il est trop beau. Du coup, c'est un MM et j'ai pris un autre MM. Celui-là, je le voulais depuis un moment et je sais plus, c'est un des deux. Je crois que c'est les deux, il n'y en avait plus non plus en TikTok. Ils sont trop beaux. Mais objectif gay. C'est beau. C'est toujours beau. Hein. Ah, il y a des petits trucs. Un chapitre. Je voulais le chapitre. Il y a un petit truc. Il a l'air pas mal. Du coup, Gain Call respect à mon. Amonina respecte en tant que seul jeune gay de sa petite ville ruelle et doit supporter l'histoire improbable de mes amis de leur rencontre homosexuelle. Il se prend alors au rêve et de son première fois en lui compliquant dans la liste des choses réelles. Le contre toute attente, la fille déménage. Attendez, je reviens. Du coup, voilà, je vous en parlerai plus tard. J'espère que. Ouais. De toute façon, je crois qu'il n'y a rien de spécial. Donc, je vous ai tout montré. Voilà, j'espère que ça vous. Que ça vous plaît toujours le vlog. Et je vous prendrai plus tard. Je vous fais des gros bisous. Bonjour, tout ça. J'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Et je suis là pour vous. Oh, ouais, je vous ai pas dit, on est le 10 juillet, je reviens dans le vlog parce que je viens de recevoir un colis. Il est tard, hein, il est 18h30, je vous ai pas repris du tout de la journée, je vous ai pas pris vendredi et j'ai un doute sur jeudi. Voilà, j'ai un doute. Je vois déjà des trucs qui sont abîmés, du coup ça m'en est déjà. Je me suis pris ça. Envie de découvrir, ça parle de ok et ça donne trop envie de le lire.
Je vais pas lire le quatrième de résumé parce que j'ai envie de lire très vite. Après, je me suis pris le nouveau de chez Hugo. Pourvu qu'on s'aime à jamais. Chez Hugo, et c'est Dahlia Kalk. Je sais pas comment ça se prononce, elle est trop beau, j'aime beaucoup. Très été. Alors, on va essayer de lire cet été. Après, j'ai ce truc, il y a des trucs qui vous intéressera peut-être pas. Sans but. Je me suis pris les 50 astuces pour maîtriser la grammaire. Voilà. Il en du dur. Je ne savais même pas. Du coup, je vais garder à ça. Voilà. On regardera à ça comment ça se passe. Après, je me suis pris un manga de chez Pika Édition. C'est celui avec la... C'est la suite, ça tombe 2 de La Belle. Non, c'est... je sais pas si je l'ai. Je sais pas où il est. Enfin, c'est un tome 2. Il est trop beau. Voilà. Il me le fallait. Je regarde s'il y a encore un truc. J'ai pris La Conjugaison sans faute de Le Petit Robert. Voilà. Il va peut-être bien me servir pendant les vacances. Voilà. Pour pas perdre de ce que j'ai appris. Voilà. C'est trop chouette. Et j'ai pris un gros bouquin. Finissez les fautes, les 100 règles de français que vous obligerez plus jamais. Vous n'oublierez jamais. De Maître Adeline. Adeline. Voilà. Ce livre est préférant pour ce robot. En fait, il se présente comme ceci. Voilà. Et je crois qu'il y a des petits... voilà, il y a des trucs à faire. Et je pense que je vais regarder un petit peu pour travailler dedans, voir comment ça va. Voilà, comment il se prononce. Voilà, il y a plein de choses. Là, c'est avec les L, j'ai vu. Alors, comment il va. On va regarder à ça de... début de semaine prochaine, parce que cette semaine je prends une pause. Voilà. J'ai vraiment envie de me reposer de mon français. Voilà, du coup, ce que j'ai pris pour l'école, ça. Elles ont l'air très chouettes. Du coup, ça va bien me servir. Je suis toujours dans ma lecture en cours pour le moment. Je n'ai pas avancé. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est. Enfin, ce week-end, j'étais pas. Là, j'étais à. Nation et aujourd'hui j'ai fait le DP qu'il faut que je fasse au plus vite. J'espère le terminer demain parce que voilà, j'ai envie de le terminer, être tranquille. Et après j'ai fait les photos du Nick, je veux dire Geek Nation, mon français sur le Facebook. Je suis en train de mettre, il y a plus de 3000 photos, du coup le temps de les mettre, ça m'a pris la matinée. J'ai fait ça et les DP, voilà, je faisais les deux. Et après midi, monsieur venu à midi, j'ai fait la vaisselle, enfin j'ai fait deux fois la vaisselle, j'ai fait un peu de rangement, j'ai nettoyé mon frigo, j'ai fait du rangement dans le couloir, voilà, voilà. Et j'ai eu un cours d'eau de monsieur vendredi, du coup aujourd'hui à 3h j'ai été jouer avec mon cadeau, j'ai une trottinette. Voilà, du coup, j'ai mon papier de glace qui se casse. C'est ma poubelle. Il faut que ça aille. Voilà tout ça. Ouais, ça va, j'ai compris. Du coup, voilà. Et là, j'ai rien d'autre à vous dire. Et sur ça, je vais vous laisser parce que je vais regarder. Ici, tout commence et demain nous appartient. Et je vous retrouve demain. J'espère que ce soir, je vais lire un petit peu. Sur ça, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bonjour mes filles, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je reviens dans ce vlog. Je vous ai oublié plusieurs fois de vous prendre, c'est pas exprès, c'est plus l'habitude de vous prendre tous les jours, du coup voilà. Mais je viens conclure ce vlog, comme ça je vais aller le monter
un petit peu après. Par contre, je n'ai pas énormément avancé dans Le Soleil de Minuit, le tome 2. J'ai passé la moitié. Je suis à 216 pages. Voilà. Sauf que à partir de demain, ce sera ma deuxième lecture, on va dire. Parce que je commence Six couronnes écarlate. Voilà. En lecture commune avec des filles. Du coup, voilà, de Elisabeth Ling chez Brajo. Voilà, je vais commencer ça. Bon, là, vous voyez que la couverture. Parce que moi, j'ai le Toc Toc. Voilà, j'ai déjà mis mon marque-page. Il est prêt pour. Voilà. Il est très beau, bleu. Voilà. Et j'ai le. Tout est bleu. Voilà. On va commencer ça dès demain. Du coup, c'est pour ça que je conclue ce vlog comme ça. Demain, ben, on doit lire lire le 5, quoi. Jusqu'au 5, si je dis pas de bêtises. C'est 5 ou 6. Enfin, ça, je pourrais vous le dire dans le vlog qui ira plus tard. Du coup, si vous avez envie de nous rejoindre, dites-le moi dans les commentaires. Je pense qu'il aurait déjà commencé, peut-être déjà fini quand j'aurai mis ce vlog. Enfin, ouais, normalement il sera fini si je mets quand je vais commencer ce vlog. Vous aurez ce vlog. On est le dimanche. Là, on est dimanche 16. On commence lundi et normalement ce vlog je le mettrai samedi prochain. Du coup, normalement la lecture serait terminée de ce gros bébé. Voilà, parce qu'il faudrait que je bouge un petit peu mon pépette. Je lis pas énormément pour le moment, mais pourtant j'ai plein de livres qui me donnent très 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 envie. J'ai envie de faire aussi la pale de l'été, mais je vais pas la faire parce que ça va être au petit bonheur de la chance. Je piocherai dans mes livres que j'ai. Voilà, parce que je reprends le 28 août. Du coup, je n'ai pas beaucoup de temps. Je pars une semaine en vacances. Là, je pense que je vais me prendre plein de manga et BD peut-être pour essayer de lire ça. Vous voyez, sur la petite demi-heure quand je suis libre, ou la une heure, lire un ou deux mangas quand j'ai le temps. Voilà quoi. Voilà, parce que j'aurai encore des devoirs aussi à faire. J'ai une mèche rebelle. Voilà, je pense prendre ça. Peut-être le livre que j'aurai en cours, peut-être. J'espère le terminer avant de partir. On part le 24 juillet. Voilà, on part pour une semaine. Dimanche prochain, ça va être la journée combat. Parce que je vais très tôt au matin, je vais voir la Madeleine qui arrive à Courcelles. Ils viennent de commencer. Et puis, ce sera la course préparer nos bagages. Parce que ça, ce sera. Il faut que je les fasse pour dimanche. Il faut que dimanche soir, ils sont faits. Pour qu'on puisse au moins dimanche soir mettre tout ce qui est valise dans le coffre. Enfin, tout ce qui est vêtements. Enfin, tout ce qu'on sait mettre dans le coffre, qu'il soit préparé. Enfin, que tout soit préparé pour dimanche, quoi. Enfin, une grosse partie des trucs. Et mettre dans le coffre. Comme ça, lundi matin, on part assez tôt, tôt du matin, tôt au matin. Sauf que dimanche, dans la début fin d'après-midi, je ne sais pas, ce sera plutôt vers 3-4 heures, je dois déposer mes deux petits chatons. Et le lundi matin, il faut que je dépose la grosse qui est là. Voilà, qui l'a installé comme mémé. Ah, pipette! Comment ici? Il faut que je la dépose sous le c'est sur le chemin. Du coup, on va la déposer lundi matin. Voilà, elle vient pas avec nous. On part une semaine sans animaux. Ça va faire du bien à nous aussi. Voilà, une semaine sans personne. Des grosses vacances. Voilà. Comme ça, un peu tranquille. Elle va profiter d'aller voir son copain Speedy.
Et mamie. Une semaine près de mamie. Elle monte ses dents. Voilà. Et nous, après, on reprendra la route pour arriver plus vite possible. Parce que j'arrive là-bas. Je récupère les clés. Enfin, il faudra que je les prenne aussi chez ma mamie. Mais il faudra qu'on fasse... Enfin, en fait, mon papa serait déjà à la mer. Et moi, je récupère le chalet ouvert. Enfin, ouvert. Vous comprenez ce que je veux dire. Tout allumé, tout ce qu'il faut, quoi. On n'est pas obligé de couper, quoi. L'eau, l'électricité, tout ça. Du coup, je récupère le chalet. Et lui partira, prendra la route quand il voudra. Ça sera à lui de décider. Mais il ne faut pas que j'aille trop tard. Comme ça, après, il peut partir quand il veut. Je sais bien que pour pas avoir les bouchons, nous on préfère partir tôt. Et pour comme ça, si lui il est tranquille aussi, il peut partir plus tôt ou plus tard comme il veut. Voilà. Et nous on arrivera là-bas, on déjeunera. Et après, ben. Ce sera vraiment le jour où on va faire toute. Enfin, une grosse partie des courses. On arrivera au chalet, on déposera tout. Puis on ira faire nos courses en récupérant le chalet. Et. Enfin, on va débarrasser, retirer nos valises. Et après, ben, on ira faire nos courses pour manger. Voilà. Il faut tout préparer pour être sûr de tout avoir. Il faut que je regarde cette semaine avec monsieur pour ce qui est à laver. Ce qu'il a besoin pour partir à la mer. Voilà. Moi aussi, je vais regarder à ça. Pour préparer tout ça. Voilà. Ce qui est à prendre pour qui est sale, qu'il faut prendre, qu'il faut laver. Voilà. C'est vraiment ma poupette. Voilà. Préparer les toutes les affaires de la mistinguette. Ah oui. Pour déposer chez mamie. Les pouk-pouk, les gamelles, les coquettes. Voilà. Il faudra que je fasse dimanche. Avant de partir, les litières, des petits chats, les donner un gros coup dedans, parce que c'est ma mamie qui va les récupérer. Voilà. Il faut aussi que je prends la bouffe pour eux, les croquettes, faut pas que j'oublie tout ça. Les pouk-pouk. Voilà, voilà. Les pouk-pouk pour tout le monde. C'est énorme de tout préparer quand. Je vais déjà faire une liste, je pense que j'ai déjà commencé à faire une liste. Par animaux. Voilà. Il faut que monsieur aille chercher des litières pour les chats. Ce sera déjà fait. Voilà. Parce que là, j'hésite à faire les litières. Ils auront bien quelques jours en plus avec. Enfin, voilà. Voilà. Je vais faire une liste après avec tout ce qu'il faut pour tout le monde. Pour nous aussi. Hein, pour les animaux. La poupette, il faut que je monte à mamie ce qu'il faut que j'apporte. On prendra Doudou? On prendra Doudou? Tu prends Doudou ou pas? Fais Doudou, hein. Tu prends Doudou avec toi? Allô? Tu prends Doudou? Tu veux ton Doudou? Tu veux ton Doudou? T'en fous? Voilà. Sur ce, moi je vais conclure ce vlog là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Désolée de pas vous avoir pris souvent. Mais faut que je prenne l'habitude. Mais la semaine prochaine, lundi, demain, à partir de demain, je vais vous prendre tous les jours. Comme ça, je vais vous parler de cette... Enfin, je sais pas si c'est une pépite. On verra bien. Cette bricasse. Je mets la couverture. Ça, c'est plus beau quand même. Voilà. Ouais, j'espère que ça va me plaire surtout, voilà. Et croisez les doigts pour que ça plaise, voilà. Et si pas ça me plaît pas, ben je le mettrai en vente sur Vinted, voilà. Je vais pas me casser le pépette. Voilà, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vloguerai aussi pendant les vacances, vous inquiétez. Je vais, si je lis plein de BD, manga, je vous en parlerai directement comme ça. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à demain dans un nouveau vlog. Bisous, bisous.